à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando. Alors c'est original, aujourd'hui vous me retrouvez au volant de ma voiture car je me rends au départ de notre itinéraire de cette semaine. Alors ça va se passer en Provence, au pied du Mont Ventoux, mais alors pas question pour moi de réaliser l'ascension du géant local, non non, pas du tout. Là je vais me rendre dans la commune de Bédouin, un petit village de 2-3 000 habitants qui est niché au pied de la face sud donc de ce fameux Mont Ventoux et qui est le point de départ de notre balade qui va nous conduire dans la combe de Maraval. C'est par de petits chemins quittant les faubourgs de Bédouin qu'on accède au départ de la balade. En moins de 10 minutes, la route devient piste, qui à son tour devient sentier, qui disparaît finalement dans la forêt. On a quitté Bédouin, on a laissé l'urbanisation derrière nous. Nous voici maintenant au cœur de la nature, mon terrain de prédilection. La balade peut vraiment commencer. Après avoir franchi une partie forestière dominée par la présence de grès, le sentier se déploie dans un paysage ouvert, le séparant des contreforts du Mont Ventoux. Les couleurs du printemps explosent dans ces champs immenses où broutent parfois quelques chevaux. Les vignes occupent également plus de 7000 hectares. On y produit le Ventoux, un vin d'appellation d'origine contrôlée. Des découvertes archéologiques ont reconnu récemment que leur implantation comptait parmi les plus anciennes de France. Sur les chemins, la température se fait de plus en plus lourde. Je me demande quand même si tout ça en face, c'est pas un petit peu orageux, quoi. Et noir. Au-dessus du sommet du Ventoux, des nuages plus menaçants ont en effet commencé à boursoufler. Une fois l'embranchement de la Diane passé, le pied des montagnes s'atteint en moins de 10 minutes. Voilà, alors c'est à partir de ce point qu'on va véritablement faire notre entrée dans ce qu'on appelle la combe de Maraval. Donc on va avoir à peu près 2,5 km à parcourir jusqu'au rocher du Midi. La végétation change du tout au tout. Je fais mon entrée dans un milieu de forêt mixte, équitablement réparti entre feuillus et résineux. Le sentier, plus accidenté, remonte en pente douce le long d'un petit ruisseau. À sa mélodie se mêle alors soudainement celui de la pluie. Bon bah là ça y est, il pleut vraiment. J'ai entendu un coup de tonnerre là-bas derrière au niveau du Ventoux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je m'abrite sous un arbre le temps du passage de l'averse. Les gouttes finissent par s'espacer, laissant passer à nouveau les bruits de la forêt. Je peux reprendre mon chemin. Au bout d'un moment, de hautes parois se redressent subitement de part et d'autre du chemin. Des cavités naturelles ont ainsi pu se former sous ces énormes surplombs à la faveur d'une lente érose. Des traces du paléolithique et du néolithique ont été retrouvées sur certains sites. Et c'est précisément ce sentier qui est emprunté par le GR91B qui fait le tour du Mont Ventoux. Des murets en pierre ont été dressés ici et là pour permettre un éventuel bivouac. Putain, c'est ici que j'aurais dû m'abriter plutôt que sous mon arbre, moi. Les falaises disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Le sentier se faufile à nouveau à travers les arbres. J'arrive bientôt à la bifurcation des rochers du Midi. À partir de ce point, on quitte le GR et on prend la direction des Ramaillettes. Le véritable dénivelé de l'itinéraire va s'effectuer maintenant en s'élevant parmi les pierriers et en quittant la forêt pour les plateaux. La vue se dégage alors pour admirer ces fameux rochers du Midi et leurs énormes cavités qui semblent me fixer comme deux orbites vides. Les immenses pentes boisées qui dévalent de la face sud du Mont Ventoux apparaissent, surmontées d'un ciel de plomb. Bon là je dois reconnaître que je suis plutôt circonspect sur le fait que l'orage va passer ou ne pas passer. Ça tonne, c'est noir, pour l'instant je suis encore à l'abri. Mais pour combien de temps? Là je sais pas quoi. Un belvédère révèle un panorama grandiose, ouvrant sur la plaine et les plateaux de Vaucluse. Des coups de tonnerre commencent à gronder dans le lointain. La nature semble dans l'attente d'un déluge. Pas question de s'attarder dans le secteur. En petite foulée, je me dépêche de rentrer sur Bédouin. Déjà, le sommet du Ventoux est pris dans les nuages. La boucle est bouclée. Voilà, c'est la fin de ce carnet de rando dans la combe de Maraval, sous la menace imminente de l'orage derrière moi. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour le début d'une série de reportages consacrés au pays de Carcassonne. D'ici là, vous nous retrouvez évidemment sur la page Facebook de l'émission. Et moi je vous dis alors bonne semaine, bonne rando et à bientôt.
poursuite infernale. Je vais rattraper ce camion. Bon, bref. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando.